Sa mort avait suscité une vague d'émotions au Nigeria et ailleurs. Depuis, les fans du chanteur d'Afrobeats Mobad, décédé à l'âge de 27 ans le 12 septembre, demandaient que justice soit faite. L'enquête semble avoir pris un nouveau tournant avec l'annonce de l'arrestation d'une infirmière non qualifiée. Invitée par l'un des amis de Mobad à venir le soigner chez lui, elle lui aurait fait des injections qui ont entraîné des vomissements et des convulsions, ce qui fait d'elle la principale suspecte dans cette affaire. Son arrestation survient quelques jours après l'annonce de la garde à vue de 4 autres personnes, dont la star de l'Afrobeats, Naira Marley, accusée de complicité. La carrière de Mobad a décollé en 2019 après la signature de son contrat avec la maison de disques appartenant à Naira Marley. Mais leur collaboration a pris fin en 2022 après de fortes tensions. Depuis, de nombreux témoignages de fans et de ses proches ont affirmé que Mobad était menacé physiquement depuis des mois par des figures de l'industrie musicale. Le chanteur avait également écrit plusieurs messages et filmé des vidéos évoquant ses craintes et le harcèlement qu'il subissait.